chez vous, Sophie Garrel, Annie Lemoine, Stéphane Pocra, Jean-Bernard Hébé, Elsa Fayère et Philippe Gueluc. Ben, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Non. Non, on s'échange trois mots quand même avant la photo du jour. Hein. Oui. Voilà, un peu d'humanité dans ce monde. Oui, ça ne peut pas tuer, allez-y. On peut par exemple saluer l'extrêmement belle cravate de Jean-Bernard Hébé. Vous allez vous foutre de mes cravates à chaque émission, quand même. Ah non, non, non. Alors, les pantalons aussi, voilà. Oh là là. Voilà. 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 Tout ça, sa cravate est impressionnante. Tout à l'heure, dans le couloir, de loin, j'ai cru qu'il portait un saumon fumé. Sur la... Je crois qu'il est désormais temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle parue hier dans Paris Match du dîner de gala qui a eu lieu au château de Windsor pour célébrer les 100 ans de l'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne. Et regardez bien, pendant que la reine parle, qui c'est qui n'écoute pas? Regardez, regardez. Le Chirac. Voilà, le président Chirac lui-même. Ou alors c'est qui tend la bonne oreille, on ne sait pas. Peut-être que l'entente cordiale, ça marcherait mieux avec une oreillette quand même. Hein. Non, simplement, moi, en voyant la photo dans son ensemble, je ne souhaite qu'une chose à la reine d'Angleterre, c'est qu'elle ait un lave-vaisselle. Vous imaginez? En fait, cette photo prouve que même quand il s'emmerde à table, notre président respecte les traditions. Il tente de filer à l'anglaise. Nous, on ne va pas filer à l'anglais, on va filer en Ukraine où, vous le savez, il y a un candidat malheureux, celui qui était favori dans les sondages. Ce candidat s'appelle Viktor Yushchenko, vous le savez, et la presse nous a donné cette semaine des photos absolument incroyables qui nous font nous interroger sur ce qui s'est passé. Regardez combien, à 3-4 mois d'intervalle. En tout cas, si c'est du relooking, c'est qu'en Russie, ils ont repris le concept de queer, mais à l'envers. Oui. D'ailleurs, que ça s'arrête là, parce que là, on a juillet, octobre. Qu'est-ce que ça va être en décembre? J'ai la photo du mois de décembre. Oh. Voilà. Hulk. Et là, on pourra carrément dire que Hulk règne. Voilà. Oh. Il est temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Bon, c'est la guerre froide entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy qui a surtout inspiré les dessinateurs cette semaine. Et on commence avec ce dessin d'Honoré dans Charlie. On les voit tous les deux à la sortie de l'Elysée. Chirac et Sarkozy se sont mis d'accord. Et tous les deux disent « Je ne vais en faire qu'une bouchée ». Pour Potus dans Charlie, c'est l'entente cordiale entre les deux hommes. Regardez, on voit Chirac qui dit à Sarkozy « Vous voyez qui pour vous succéder? À Bercy ?» demande Sarkozy. Non, non, à l'UMP. Un peu dans le même genre, hein. Vous allez voir Pétillon dans Le Canard enchaîné, et là c'est Sarko qui demande à Chirac « Vous voyez qui pour me remplacer ?» Alors Chirac lui répond « Et vous ?» Et Sarkozy rétorque « Pour vous remplacer ?» On n'en sort pas. À la une de Charlie Hebdo, Cabu est lui revenu sur l'augmentation de 580% du budget de l'Elysée. Depuis l'arrivée du couple Chirac au palais présidentiel, c'est un peu hard comme dessin, mais c'est Cabu. Et Chirac bouffe, la France en chie. Toujours dans Charlie Hebdo, Riss s'en prend cette fois à la nouvelle secrétaire d'État aux affaires étrangères, Condoleezza Rice. Moi, je l'appelle Condoléance Rice, hein, vu ce qui se passe en Irak. Et on voit juste à côté de cette femme, Martin Luther King, qui fait « I have a dream », mais c'était pas celui-là. Cabu dans Charlie Hebdo est revenu, lui, sur l'accident de chasse de Jean-Claude Guesso, l'ex-ministre des Transports communistes. Accident de chasse qui lui a coûté deux orteils. On le voit à la prochaine fête de l'UMA et il dit cette année deux merguez en plus. Est-ce que ça le rend handicapé, le fait d'avoir perdu deux doigts? Et toi, d'avoir perdu deux neurones? J'en ai pas beaucoup, je les garde. La grande panne du réseau Bouygues Télécom a inspiré ce dessin à Pétillon dans Le Canard enchaîné. On voit quelqu'un dans une cabine téléphonique qui dit « Je t'appelle d'une cabine pour te dire que je peux pas t'appeler de mon portable. Ouais. » Et un dernier un peu plus osé encore. Et là, ils sont en train de faire l'amour. C'est ce couple qui dit « Comment je vais pouvoir lui dire je t'aime avec mon texto en panne ?» Ça vous est arrivé, ça, quelqu'un téléphone pendant que vous faisiez l'amour? Moi, ça m'est arrivé un jour. Ah oui? Qu'on me téléphone pendant que je faisais l'amour. Et c'est alors, ça a répondu? C'est ma femme qui m'appelait. Non, je plaisante. Je plaisante. Non. Mais non, bien.
bien sûr. Mais moi, dans ces cas-là, je le mets sur vibreur. C'est une polémique dans tout Paris en ce moment. Gérard Depardieu a-t-il le droit de jouer au théâtre avec une oreillette? Cabu n'a pas laissé passer ça, c'est dans Le Canard Enchaîné. Et on voit dans l'oreillette de Gérard Depardieu quelqu'un qui lui dit « Les actions pétrolières remontent ». Alors lui, il fait « Vendez !» Ça, c'est très drôle. Et on termine par notre ami Philippe Gueluc dans VSD. Hein. Eh oui, mon cher Philippe, avec le chat qui dit « Je recueille des animaux abandonnés au rayon volaille de mon supermarché. » C'est une bonne action. Dites, c'est joli ce que vous avez autour du cou. Je vous remercie. C'est pour montrer que vous n'avez pas une ride ? Elle en a deux. Mais non ! Ben si, c'est vrai, parce que regardez, c'est une sorte de trombone, et c'est donc une sorte de trombone à coulisses. Parce qu'il y en a que pour Annie, ça fait des semaines qu'il y en a que pour elle. Alors il s'est passé quelque chose. Jalouse. Non, non. Oui, on a dansé un slow ensemble. Et alors? J'ai vu ça. Il n'y a pas de quoi se vanter. Hein. On la joue plus serrée, plus collée, plus ma baladeuse. Franchement, le slow, c'est agréable que si on danse avec une femme qui a les seins dans le dos. Autrement, je vois pas l'intérêt. Il y a des fesses. Il y a des fesses, pas chez tout le monde, madame. C'est gentil pour Annie. Oh, c'était bon, pas vrai. Oh, la garce. Oh, elle est jalouse. Cette semaine, une enquête menée par l'UFC Que Choisir nous apprenait, vous avez certainement entendu ça sur toutes les radios, sur toutes les télés ou lu dans tous les journaux, que nombre de désodorisants, encens aussi et autres parfums d'ambiance utilisés pour tuer les mauvaises odeurs normalement, eh bien relâchaient dans l'air des produits toxiques et allergisants, bien plus graves que les mauvaises odeurs. Sur les 35 produits testés, aucun ne peut être considéré comme inoffensif d'après l'UFC Que Choisir et d'autres associations de consommateurs européennes. Certains même de ces produits seraient cancérigène. Enfin, pour en arriver là, il faut peut-être quand même utiliser ces déodorants, enfin plutôt ces désodorisants comme des déodorants. Je me pose la question, on va la poser dans un instant à notre invité. Les parfums d'ambiance, ça sentait pas très bon, maintenant ça pue carrément, on peut le dire. Dan Bolander, qui est du signe du cancer, a testé pour nous la lutte contre les désodorisants nocifs. Regardez cette caméra cachée, signée Julien Héron, et on en parle tout de suite après avec une journaliste de l'UFC Que Choisir. Ici Dan Bolander, j'ai testé la lutte contre le désodorisant nocif. Oh, oh là là, ça pue. Bonjour madame. Je suis du ministère de la Santé. Oui. Je voudrais savoir si ici vous utilisez des bombes désodorisantes. Pour les toilettes, oui. Ouh là là, oui. Actuellement, il y a un problème. Ces bombes sont cancérigènes. Je vais faire un test. Hein. Oh là 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 là. Il y a un souci. Il y a des particules cancérigènes dans l'air ambiant ici, vous voyez. Oui. Alors, de toute façon, ce que nous allons faire, nous allons vous distribuer dès aujourd'hui des désodorisants qui ont été approuvés par le ministère de la Santé. Oui. D'accord. Et ça va détruire les particules toxiques qui sont dans l'air ambiant. Oui. D'accord. Je vous fais sentir. Oui. Mmh. Ça sent la merde, vraiment. Mettez-en sur vous, un tout petit peu. Ah là 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 là. Ah oui, mais les mauvaises bactéries vont partir avec ça. Hein. Non, non, non. Faut en remettre encore. Hein. Ah bon? Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous sentez alors? C'est le même odeur. Bonjour madame, je suis inspecteur sanitaire. Je voudrais savoir si vous utilisez des bombes désodorisantes. Il paraît que c'est cancérigène, quoi. Exactement. C'est pas bon pour votre santé et pour la santé des clients. De toute façon, toutes les boutiques vont recevoir ce type de produit. C'est un désodorisant qui va, si vous voulez, détruire les molécules cancérigènes. Les molécules cancérigènes. Il ne manquait plus que ça. Je vous fais sentir. Oh là, ça pue, ça. Comment ça pue? Oh là, ça infecte. Ah oui, oui, d'accord, mais c'est efficace. Oh là, ça pue. Bon, ouais, bah, j'ouvre la porte. C'est sûr que c'est pas ça qui tue, là. Soyez gentille. Non, vous pouvez en remettre pas. Un tout petit peu. Non, non, je ne veux pas en mettre. Ça, je ne supporte pas. Donnez, monsieur. Vous en mettez un tout petit peu. Là-bas. Voilà. Je suis désolé pour vos clients. Hein. Ça ne va pas sentir très bon. C'est la santé qui compte. Hein. On va en mettre un tout petit peu. Non, pas de ma boutique. Ah, si, c'est obligatoire, madame. Arrêtez de prendre de peuple pour un con. Là, c'est la grosse pollution. Les bébés, ils respirent tous les jours. Et les gens qui font des vélos tous les jours. Et les gens qui marchent tous les jours. Et c'est des tonnes. Le cancer, il vient de là. Il vient pas de là.
question. Cette dame a raison. Est-ce qu'il faut ouvrir ses fenêtres pour avoir de l'air pur de dehors? Est-ce qu'il faut les fermer pour rester avec l'air de l'intérieur? Est-ce qu'on est plus pollué à l'extérieur de chez soi qu'à l'intérieur? On ne sait plus, finalement. On va tout de suite poser la question à une journaliste spécialiste des pollutions intérieures au sein du magazine de l'Union fédérale des consommateurs. Que choisir? Ce magazine a, comment on dit dans ces cas-là, levé un... lièvre. Il n'y a pas une histoire de loup aussi? Il n'y a pas un loup aussi? Attendez, oui, attendez, il y a une histoire soulever de loup. Un loup? Ah non. Il y a un loup, en tout cas. Il y a un loup quelque part. Pourvu qu'elle ne nous ait pas posé de lapin, voici Elisabeth Chenet. C'est vrai que quand on a entendu ça cette semaine, quand on a vu ça dans tous les journaux, puis on va vous dire, vous avez une belle campagne de pub pour votre enquête, faut bien dire, hein, vous êtes très doué pour ça. Il y a eu, première réaction, une réaction, oh, c'est salaud, on nous vend des produits d'ambiance qui sont nocifs, c'est pas bon pour nous. Puis il y a eu une deuxième vague, quand même, on l'a entendu aussi dire, quand même, faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, c'est pas de faire un pitch qui va d'un seul coup va nous donner le cancer, est-ce que quand même, il n'y a pas plus de pollution dehors que dedans? Nous, on a commencé à travailler sur la pollution intérieure en 2001. On n'avait fait que deux logements, ce n'était pas beaucoup. Donc, on a proposé des kits d'analyse à nos lecteurs. Bon, 900 logements qui ont été analysés l'année suivante, 3 sur 4 qui étaient pollués par des substances chimiques. Donc, franchement, et ce n'était pas à des taux qui étaient légers. Plus pollué dans ma maison que quand je sors dehors. C'est exactement ça. Oh ben alors, c'est exactement ça. Les écolos, ça alors là. Quand même. Alors, roulez tous en bagnole dans Paris, moi, je vous le dis. Alors. Mais non. Il est con. On vous fait chier. Mais il est con. Mais il est con. Non, mais c'est pas possible. Enfin, si. Excusez-moi, patron, mais vous, c'est con ce que vous dites. Ah, non. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez depuis des années à nous dire que c'est pollué dehors. Mais non. Couloirs pour les mauvaises odeurs qu'il fallait mettre dans les appartements. Aujourd'hui, c'est la société qui est cancérigène parce qu'on a un modèle de développement qui est basé sur la surconsommation et la surproduction, et donc notre système est devenu fou. Donc on produit un tas de produits totalement cancérigènes, dangereux et tout, et merci à madame de l'avoir montré, et donc on pouvait se dire au moins dehors il y a de l'air pur, et pas du tout, parce qu'il y a des cons avec leur voiture qui nous polluent en permanence. Excusez-moi, patron. Moi j'ai rencontré des gens qui avaient cru trouver la solution, ce sont des amis extrêmement riches, et ils avaient disposé, ils mettaient pas des désodorisants chez eux, ils avaient disposé des billets de banque partout chez eux, en disant l'argent n'a pas d'odeur. Et pourtant, chez eux, ça pue le fric. Ce qui est le plus dangereux, c'est la prise qu'on branche et pas forcément, non, mais c'est très paradoxal. Il se trouve que là, vu les résultats catastrophiques qu'on a eus, les substances toxiques, nocives ou très allergisantes qu'on a trouvées, ce sont les aérosols qui en diffusent le moins. Par exemple, la fameuse lampe Berger... Ça ne veut pas dire que tous les aérosols sont épatants. La fameuse lampe Berger, je crois... Avec le saucisson, la lampe bâton de Berger. Non, la lampe odeur cannelle. Alors, celle-là, moi, je connais. C'est des tas de gens qui mettaient ça à la maison pour lutter contre le tabac des fumeurs. Il n'y a qu'à foutre les mais complètement, fumeurs dehors. Mais vous donc, savez... Alors eux, ils ont le cancer des mauvaises odeurs. Pendant ce qu'il faut les autres, savoir, mais il n'y a pas que la lampe Berger qu'on a disqualifiée parce qu'elle émet du benzène. Hein. On a aussi deux encens, on a aussi un produit de grande marque, Airwick, enfin voilà. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Mais Zacharien sont fichus. Remarquez, ça a été utile. Non, voilà, on a bientôt, on va recevoir dans un instant le chanteur qui chante tous les Zacharien, tous les Mais justement, madame, ces risques de votre enquête, vous aurez compris que je suis très sympathisant de ce type d'enquête. Mais en même temps, la difficulté, c'est que si on finit par expliquer aux gens que tout, finalement, est cancérigène et tout, il y a un certain seuil où on va retourner l'opinion où les gens vont commencer à mais se dire, de toute manière, perdu pour perdu, on s'en fout. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner... Le bête raisonnement que j'ai eu en début de séquence. Donc, est-ce que vous pouvez nous... Mais le problème, il n'est pas là. Mais vous êtes étrangère, patron. C'est impossible pour vous d'être... Ah là là, mais qu'est-ce que tu fait. Il peut être lèche-cul parce que j'ai mis mon déodorant. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de votre point de vue à vous et votre point de vue... C'est extrêmement difficile ici, madame, vous savez. Mais de votre point de vue... De votre point de vue à vous, est-ce qu'il y a des priorités? En fait, on peut pas se sentir, faut vous dire. Il y a une fête qui s'appelle le Yom Kippour où on n'a pas le droit d'allumer les bougies chez les juifs. Et donc ma mère nous avait préparé la chambre parce qu'on allait dormir chez ma mère et elle nous a dit à mon mari et à moi, vous allez voir, vous allez passer une bonne nuit. Et elle nous a allumé des énormes bougies anti-tabac dans la chambre en nous disant, vous allez passer une bonne nuit. Le lendemain matin, on s'est réveillé, on s'est regardé, on était noirs comme ça, jusqu'ici, et on s'est mis à cracher, Rudy des cheminots. Et en fait, elle a failli nous intoxiquer. Voilà. On a c'est failli dangereux, passer. Tous ces produits-là. On s'était enfermés avec les énormes bougies. Donc, en gros, ma fille est allergique. Mon mari ne me supporte plus. Et j'allume des bougies partout. Qu'est-ce que je fais? Vous aggravez votre cas, là.
De toute façon, avant de passer une nuit avec n'importe quel homme, faites votre choix dans que choisir. J'ai ma liste. Quand même, les endroits où on est bien obligé de mettre des déodorants, enfin, ou des désodorisants, je sais pas, les clubs sadomaso, par exemple. Non, parce que ça, faut être là-dedans. Hein. D'abord, vous dénoncez pas les choses qu'il faut que choisir. Ça sans doute pas celle-là. Le fait que ce soit cancérigène, tout ça, d'accord. Moi, ce qui m'énerve le plus dans ces produits-là, je vais vous dire ce qui m'énerve le plus, c'est contre ça qu'il faut lutter, c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est les petits trucs qu'on dévisse un peu, hop, puis l'odeur s'échappe pendant 24 heures, puis ça dure, on vous dit que ça dure 2 mois. Mais c'est le truc soi-disant autocollant qu'il y a de l'autre côté. Ah oui. Vous avez remarqué, ça tient nulle part. C'est humide. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous l'avez au sol, votre truc. Et soi-disant, ça colle au mur. Parce que c'est humide chez vous, patron. Donc il y a des moisissures, donc tout va mal. Vous avez peut-être des murs gras, je ne sais pas. Mais vous n'avez jamais remarqué chez nous, ça colle très bien. Chez nous, ça colle chez vous. Ah voilà, Laurent, ça retombe toujours. Non, je vais vous dire, chez nous, ça colle parfaitement et ça colle tellement bien qu'on n'arrive pas à les retirer après. Et on en a partout dans la maison. C'est une horreur. Eh bien, Babette, vous allez pouvoir repartir en guerre contre autre chose. C'est Elisabeth Chenet du journal Que Choisir. Je parle. Le livre dont nous allons parler maintenant s'intitule « Je ne suis pas un assassin », un livre paru le 15 novembre dernier chez O Édition de Frédéric Chaussois. Frédéric Chaussois, vous le savez peut-être, c'est le médecin réanimateur qui a décidé de mettre fin aux souffrances de Vincent Humbert, le jeune garçon paralysé qui avait demandé à mourir. Bernard Kouchner a préfacé cet ouvrage. Et avant de laisser passer la parole à Sophie, qui a lu ce livre pour nous au moment où justement la loi sur la fin de vie et le droit des malades est discutée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, nous allons accueillir l'auteur de « Je ne suis pas un assassin », le docteur Frédéric Chaussois. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je vous appelle docteur parce que vous êtes toujours en exercice, évidemment. Bien sûr. Mis en examen à cause de cette affaire pour avoir finalement aidé la maman de Vincent Humbert à accepter les dernières volontés de son fils. Oui, et il est important de rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours poursuivi pour empoisonnement avec préméditation, que je risque la réclusion criminelle à perpétuité à un tribunal d'assises. Bon, c'est ce que vous risquez. On est quand même à peu près certain que jamais vous n'irez en prison tout de même. Eh bien, je le souhaite. Nous vous le souhaitons aussi, mais vous êtes vraiment inquiet de cela ? Ça fait 25 ans de métier. C'est la première fois que je me suis retrouvé devant un juge d'instruction avec des chefs d'inculpation aussi graves. On ne peut pas l'écarter, quoi. Donc, comment vous expliquez qu'on soit allé jusqu'à ce chef d'inculpation-là contre vous ? Ben, je pense que manifestement, il y a un vide. Il y a un vide quelque part, là. Donc, quand un médecin a fait son boulot, et je pense vraiment l'avoir fait, simplement mon boulot de médecin, je pense que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est dur. Vous attendez beaucoup de la loi qui est justement examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? Je pense que c'est une bonne proposition de loi. Un an après, c'est quand même un tour de force en France, que des députés de droite comme de gauche, parce que là, il y a un consensus et que enfin, on aborde ce sujet qui est quand même un tabou, qui est important, la réflexion sur notre mort, sur notre fin de vie. Je pense que c'est bien pour nos patients, c'est bien pour nos malades et c'est bien aussi pour nos médecins. Alors, Sophie, vous avez lu ce livre, « Je ne suis pas un assassin », préfacé par Bernard Kouchner. Le docteur Frédéric Chaussois est ici et il vous écoute comme nous. C'est un livre, je dirais, en forme de psychothérapie. Le docteur Chaussois, qui exerce son métier de médecin réanimateur au centre hospitalier de Berck, a été un jour appelé à venir au chevet de Vincent Humbert. Vincent Humbert, qui avait réclamé la mort, il avait fait un testament en vie et sa mère déjà avait raté son acte, et ce garçon réclamait la mort. Et le docteur Chaussois a pris cette décision de débrancher le respirateur. Alors c'est un livre extrêmement émouvant parce qu'on sent que ce n'est pas un écrivain, il ne fait pas de l'effet, il ne fait pas de phrases pour être redondant. Il va au fond de son émotion, de sa peur,
qu'il vit actuellement, de la peur qu'il a vécue pendant toute cette année et des questions qu'il s'est posées avant de faire cet acte grave. Sa femme prend la parole et écrit à un moment donné quelques pages qui sont extrêmement émouvantes parce qu'elle était contre cet acte, elle savait qu'il y allait avoir des pépins et qu'ils allaient être poursuivis. Et donc elle raconte combien le docteur Chaussois, harcelé par tout ce monde-là, a failli en arriver au suicide, à l'acte final, tant il était démuni et en fin de parcours. C'est un livre très émouvant parce que, effectivement, tout le monde a été confronté à la mort. Et on vit dans une société dans laquelle la mort est tabou. On ne parle que de vie, que de consommation, on ne parle pas de mort, on échappe à la mort. Et nous avons tous eu, dans notre entourage, des maris, des femmes, des enfants, des parents qui sont arrivés à un état d'endive, à un état de légumes, où on s'est dit, mais pourvu que quelqu'un débranche. Et il y a des médecins qui ont débranché, et on n'en a pas fait tout un scandale. Au contraire, ça a soulagé les familles et ça a soulagé souvent le moribond. C'est ce qui m'a épaté dans ce livre, c'est effectivement la sensibilité et le naturel du docteur Chaussois, mais c'est en même temps ce petit Vincent qui, avec un pouce, a pu dicter son livre, comme l'avait fait déjà Jean-Dominique Bobby, vous vous souvenez, avec un cil. Moi, je suis incapable d'écrire avec ma main une liste des courses, alors je me dis, ces gens-là, ils sont admirables. Et pour en finir, il cite le serment d'Hippocrate, qui est un serment où on promet la vie, l'aide aux malades et tout ça. Mais dans le serment d'Hippocrate, on dit « Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté. » Et si leur volonté, c'est de mourir, c'est d'en finir avec cette vie végétative, respectons les vivants avant de respecter nos morts. Quelque chose à ajouter, merci. Moi, je voulais vous dire, je suis très, très touché et très, très bouleversé par votre combat et par ce qui vous arrive. Je trouve que vous symbolisez l'honneur de la médecine et que ce qui vous accable symbolise au contraire le déshonneur de... Et l'hypocrisie de la justice et du monde politique. Mais est-ce qu'ils sont si nombreux que ça, ceux qui vous accablent? Et qui, alors? Le procureur de la République. Oui, évidemment, puisque vous êtes mis en examen. Mais pourquoi? Tout simplement parce que, quelque part, je n'ai pas respecté la loi. Jean Leonetti, qui est le rapporteur de la mission parlementaire, avait une image que j'ai beaucoup aimée. Il disait, le docteur Chaussois, il est en voiture, il y a un enfant qui est allongé sur le bord de la route, il y a une ligne jaune. Eh bien, moi, plutôt d'écraser l'enfant, j'ai préféré franchir la ligne jaune. Annie Lemoine voulait intervenir là-dessus. Je trouve profondément injuste que vous portiez sur vos épaules, vos épaules, simplement vous, le poids immense de cette question de société. Et je vous trouve très courageux. Je voudrais savoir si vous n'avez pas puisé ce courage aussi dans celui de ceux que vous côtoyez, qui sont face à la mort, celui qui vous avait aidé à mourir, parce que ces gens-là sont... Vincent, bien sûr, que je ne connaissais pas, mais que j'ai compris et connu quand je l'ai accueilli dans mon service, mais surtout cette mère... Cette mère qui est une mère peut-être que nous rêvons tous d'avoir. Un petit carton, vous savez, dans les milliers et milliers de soutiens qui m'ont été extrêmement réconfortants dans des moments difficiles. Et c'est vrai qu'il y avait un petit carton, c'était marqué deux mots. Docteur Courage. Une autre carte dont je me souviens maintenant, c'était Chapeau Toubib. Et je dirais, moi, Chapeau Marie. Je ne comprends pas qu'on vous laisse seule. Si seul face à cette question, je ne comprends pas que le président Chirac, par exemple, n'intervienne pas pour vous aider. C'est trop lourd à porter pour vous tout seul, j'en suis convaincu. Oh, je pense que ce n'est pas dans sa fonction. Par contre, je ne suis pas seul, je suis entouré bien sûr de ma famille, mais surtout j'ai eu le soutien de toute l'équipe, de mon équipe déjà qui travaille avec moi, ouais. Du Conseil de l'Ordre, qui quand même, c'est important d'être soutenu par ses pairs. Ça a été extrêmement réconfortant. Oui. Justement, j'interviens là parce que est-ce que finalement c'est pas au préalable, avant ce dernier geste, qu'il aurait fallu que cette responsabilité que vous portez seul sur les épaules soit partagée, c'est-à-dire que cette décision-là soit collective et que vous soyez plusieurs sans qu'on sache qui finalement commette ce geste. Pourquoi à plusieurs médecins vous ne vous êtes pas réunis et vous n'avez pas peut-être réfléchi à dire ben voilà, on prend tous en commun cette décision et au moins vous auriez été 10, 20, 30, j'en sais rien, mais à avoir sur les épaules cette accusation et cette mise en examen. Il faut savoir que quand nous avons d'abord pris la décision ensemble, entre médecins du service... Oui, la décision et faire l'acte, après... Oui. Il n'y a qu'une personne qui le fait. Je travaille avec de jeunes médecins et quelque part, en tant que chef de service, vous savez, c'est toujours un peu comme dans l'armée, quoi. Ouais. C'est le plus ancien dans le grade le plus élevé. Et j'ai dit, c'est moi qui vais prendre la responsabilité et tant pis, on verra bien. Et c'est vrai que
à ce moment-là, je n'ai pas pensé aux conséquences que, voilà, ça pouvait. Ce qui est hallucinant quand on voit votre cas, c'est que vous encourez une peine donc de perpète, d'emprisonnement à perpétuité, ce qui est le cas de Dutroux en Belgique. Jean-Bernard, arrivé. Moi, je pense que le docteur a raison d'avoir peur. Parce que ce n'est pas gagné d'avance. Parce que ce n'est pas toujours... Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce n'est pas... Il a fait quelque chose qui a lieu tous les jours, dans tous les hôpitaux de France. Ça a lieu tout le temps. Des médecins qui décident d'arrêter les souffrances d'une famille, d'un malade, ça arrive tout le temps. Mais lui, il a fait quelque chose d'éminemment respectable. C'est qu'il a brisé le tabou de l'hypocrisie en, justement, passant la ligne jaune et en transgressant la loi. Eh bien, en cela, l'ordre établi, on va dire que ce soit l'ordre des médecins, que ce soit la législation, n'aime pas les gens qui ne font pas preuve d'hypocrisie. Et c'est en cela que je dis que c'est éminemment honorable qu'il a pris une position qui va faire avancer le dossier, mais que ce n'est pas gagné d'avance. C'est pourtant le serment d'Hippocrate et pas d'hypocrite que absolument, les médecins... Eh bien, c'est en cela qu'il est éminemment honorable, mais ce n'est pas gagné d'avance. Stéphane Pocra. Oui, moi j'essaye d'imaginer la douleur que c'est pour une maman d'accéder à la demande de l'enfant qu'elle a porté de mourir. Déjà, c'est quelque chose... c'est vrai que c'est un débat politique, c'est un débat philosophique. Il y a un autre cas, d'ailleurs, en ce moment. Hein. Justement, concrètement, je trouve que c'est quelque chose d'absolument terrible et que quand Annie Lohmann parle de la solitude, c'est vrai, il y a la solitude du médecin confronté à cet acte-là, mais il y a aussi la solitude des familles qui sont souvent... Enfin, c'est extrêmement compliqué pour elles. Moi, je voulais juste vous dire merci parce que vous nous rappelez que dans une société, il y a une différence entre le légal et le légitime. Il y a toujours des gens pour dire qu'il est légitime simplement ce qui est légal et que lorsqu'on se met en dehors de la loi pour une cause qu'on croit juste, on a toujours tort. Eh bien, je pense que vous venez de montrer avec beaucoup de courage et à juste titre que des fois, le courage, le vrai courage, il est du côté de la légitimité contre la légalité. Merci. Ce non-lieu qu'espère beaucoup, il y a des tas de pétitions, évidemment le docteur Kouchner qui a préfacé votre livre, mais beaucoup d'autres médecins, beaucoup d'autres politiques aussi qui ont signé cette pétition en votre faveur. Ce livre, en fait, vous permet aussi de vous raconter le détail et comment tout ça s'est bien passé. Il faut quand même le dire, c'est pas l'apologie de l'euthanasie, ce bouquin, surtout pas. C'est froidement expliquer le détail, comment on est obligé d'en arriver là. Mais c'est même pas de l'autodéfense, c'est simplement un constat. Bien sûr, moi j'ai toujours dit que j'étais pas un militant de l'euthanasie. Jusqu'au moment où le destin de Vincent Habert télescope le mien, je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça. Je faisais mon boulot, mon boulot de médecin, pour essayer d'accompagner, d'aider, d'apaiser. Et c'est vrai que je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça. Et voilà, maintenant, je me suis retrouvé propulsé là-dedans. J'ai fait comme j'ai pu, en disant, maintenant, il faut que tu assumes, il faut que tu y ailles. Allons-y. Un dernier mot, Sophie. Il faut dire aussi, rappeler que le docteur Chaussois a sauvé des centaines de morts vivants et que effectivement, son métier, c'est de donner la vie quand il fait une péridurale et qu'il accouche un enfant, donner la vie quand il arrive dans son service des enfants dans l'état quasi de celui de Vincent Habert, mais qu'il a pu sauver et qui sont vivants. C'est pas son combat, c'est pas je veux donner la mort, c'est je veux accompagner les gens qui pourront pas s'en sortir et qui le demandent. Mais son combat, c'est donner la vie, aider la vie. Et c'est un combat qui aurait été impossible il y a une dizaine d'années. On fait des miracles maintenant. Et bien peut-être qu'on va faire des miracles aussi dans cet accompagnement. Et Philippe, pour terminer. C'est fort. Finalement, dans le cas de Vincent Habert, vous avez fait un acte d'amour, presque encore plus qu'un acte médical, puisque vous avez aidé à réaliser ce qu'il avait demandé. Mais n'oublions pas de dire que dans l'état dans lequel il se trouvait, il était incapable lui-même de mettre fin à ses jours. Il devait donc demander l'assistance de quelqu'un. Il a demandé l'assistance de sa mère et puis finalement de la vôtre. Et pour moi, il y a deux cas très différents dans l'euthanasie, qui est celle que l'on apporte à quelqu'un qui est en bout de vie, qui n'a plus sa conscience, qui n'a que la douleur au long de ces dernières journées, et puis de ces jeunes types qui sont en début de vie, qui sont aussi au bout de leur souffrance, mais qui sont incapables d'attenter eux-mêmes à leur jour. Alors, est-ce que parce que quelqu'un n'a plus l'usage de ses bras ou de ses jambes ou de quoi que ce soit, il doit être condamné à vivre dans d'épouvantables souffrances? C'est aussi à cela que doit répondre la loi.
Alors, elle ne va pas y répondre directement, mais je pense ce qui est important déjà, c'est qu'un an après, le débat s'est instauré, la porte est ouverte et elle ne se refermera pas. Voilà, redonnons le titre de cet ouvrage qu'on peut dire utile, dans lequel le docteur Chaussoy explique parfaitement sa démarche. Je ne suis pas un assassin, c'est signé docteur Frédéric Chaussoy, c'est chez O Édition. Merci à vous, docteur. Merci. Nous allons maintenant accueillir un artiste qui, avec ou sans Big Bazar, a toujours collectionné les tubes de fées comme L'Oiseau a un beau roman, en passant par d'autres chansons comme par exemple Fantaisie bleue ou Je n'aurai pas le temps, Viva la vida, c'est la fête, bravo Monsieur le Monde, ou enfin, j'ai pas toutes les citées, bref, vous l'avez reconnu, c'est Michel Fugain. Il est définitivement l'un des chanteurs préférés des Français et la semaine dernière, il a sorti C'est pas l'amour, mais tout comme un album best-of comportant ses plus grands titres ainsi que trois chansons inédite. Nous allons tout de suite recevoir, mesdames et messieurs, attention, ça a commencé, voici Michel Fugain. Quelle bonne idée, d'abord parce qu'il y a trois nouvelles chansons, mais ensuite on retrouve sur cet album les chansons préférées de la carrière Fugain, et elle est longue, cette carrière Fugain. Et commence à faire. Et on voit quand même que chaque décennie, il y a au moins un, deux ou trois tubes. Oui, il y a des chansons, quoi. C'est pas nous qui décidons de faire des tubes, ça se décide pas comme ça. En fait, on est chanteur populaire, on fait des chansons et populaires. Hein. Pour moi, c'est pas péjoratif. Hein. Pour nous non plus. Ah bon. donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On sait jamais. On en est les premiers écouteurs, on en est les premiers spectateurs, et si ça nous fait quelque chose, on a envie de faire partager, c'est tout, quoi. Bon, alors évidemment, hein, on peut toujours trouver des occasions de râler, parce que, OK, sont les meilleures chansons de Michel Fugain, mais il en manque, comme toujours, sur toutes les compiles, sur tous les best-of. Enfin, moi, j'ai coché celle que j'aimais. Bon, alors, je n'aurai pas le temps, ça, c'est normal, elle y est, parfait. Attention, mesdames et messieurs, normal, elle y est. Fait comme l'oiseau, OK, une belle histoire, ça va. Léda, elle y est. Ah, bah voilà, déjà, il manque Léda, parfait, un point en moins. C'est la fête, la fête. Non mais Laurent, mais Laurent, alors c'est pas un best-of qu'il aurait dû faire, c'est une intégrale. Ceci est un best-of, c'est-à-dire en raccourci au travers d'une carrière de 38 ans pour voilà, c'est pour répondre au temps. Et fin janvier, début février sort ce qu'on appelle un long box, c'est-à-dire un livre disque dans lequel il y a 3 CD et 60 chansons. Il y a une chanson. Alors, je suis sûr que je ne confonds pas avec les Sud-Américaines. Je suis persuadé qu'il y a une autre chanson dans laquelle il y avait le mot Sud, même peut-être dans le titre. J'ai le cœur au Sud. J'ai le cœur au Sud. J'adorais cette chanson-là, moi. Moi aussi. Et bien voilà. Et bien alors, celle-là. Elle n'est pas dans le long box. Vous voyez, hein. En établissant la liste du long box, je me suis dit, tiens, ça peut être marrant de faire un disque avec des seconds couteaux. Des chansons qui ne sont pas très connues. Mais dont on est content, ouais. Ça faisait comment? Vous pouvez juste me la fredonner pour moi? J'ai le cœur au Sud. Allez, j'ai le cœur au Sud. C'était pour emmerder Michel Sardou avec Je viens du Sud ou pas? J'ai jamais voulu emmerder qui que ce soit, moi. Non, mais Michel Sardou, un peu, quand même. Vous avez été un peu brouillé. Ils sont copains, maintenant. Non, pas du tout. Ça, c'est des légendes. Vous lui avez dit qu'il chantait mal aussi. Vous avez oublié de nous en parler. Parce que c'était un ami que je pouvais me permettre. Or, ce jour-là, il a été vexé. Mais il a mal vécu. Non, il n'a pas mal vécu, il s'est levé, il est parti. Il s'en est sorti quand même. Je l'ai revu 35 ans après, on n'était pas fâchés. En fait, ils n'étaient pas fâchés, ils ne sont plus parlé pendant 35 ans. Mais bon, il y a quand même trois nouvelles chansons, parce qu'on parle des anciennes, là, mais il y a quand même trois nouvelles chansons. C'est tout comme Mosquito, Partir, Repartir. Et on a quelques images enregistrées en studio pendant, évidemment, les prises de son de C'est tout comme. Pion maniaque et pervers, qui avec ton QI pivert, montrait dans tes grands yeux stupides l'infini dictature du vide. De toi à moi, quand j'y repense, je me dis que j'ai eu de la chance, que la vie m'a fait une fleur. De toi à moi, et dans ma main, c'est pas l'amour, mais c'est tout comme. C'est tout comme. C'est pas de l'amour, mais c'est tout comme. Moi, ce que je trouve formidable, vraiment, je le dis sincèrement,
c'est que j'aime autant les chansons époque Big Bazar avec des tas de tubes qu'on adore. Et puis alors, il y a aussi ces chansons, mais moi, que je trouve superbes, qui datent des fin des années 80, début 90. Chaque jour de plus, c'est une chanson formidable. Forteresse, c'est une chanson formidable. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a des chansons aussi superbes là sur les dernières années que sur les premières. Merci beaucoup. Ce qui est particulier avec vous, et ça dure depuis à peu près, vous avez dit depuis combien d'années? Enfin, moi, je connais depuis le début, je me rappelle. 67. Voilà, de vos débuts. Et vous avez accompagné ma vie tout au long de ces années, et vous êtes quelqu'un dont on chante les chansons quand on est heureux. Et je voulais vous dire merci. Merci à vous. Petit détail graphique. Je vous aurais vu que Annie Lemoine, tout à l'heure, elle m'a montré son disque et elle m'a dit « Regarde, Michel m'a dédicacé son disque pour Annie, elle, affectueusement, Michel Fugain. » Et puis j'étais un peu jaloux, alors j'ai regardé et j'ai vu que c'était imprimé sur tous les disques et qu'elle avait juste ajouté son nom au-dessus. C'est pas mon genre. Oh, ben, c'est la signature des autographes ou celle des chèques? Non, non, c'est la signature des autographes. Ah, c'est pas la même, hein, celle des chèques. Cela dit, j'ai fait une fois une signature autographe sur un chèque et le chèque a été encaissé. Et là, j'étais pas content. Elsa Fayère. Ah là là, je suis fan. Je peux commencer par lui chanter une petite chanson? Allez-y. Bravo, Monsieur Fugain. Chapeau, Monsieur Fugain. De nous avoir fait le don d'un recueil de si belles chansons. Oh. Là, on vote, alors, pour Elsa Fayère. On vote, on est obligé de voter. Ah non, oh, vous n'êtes pas gentil. Non, attendez. Ah si, c'est bien. J'explique pourquoi je mets zéro point, parce qu'ils vont nous la piquer, la Starac, si elle continue à chanter. Oh, s'ils pouvaient nous la piquer, ça ferait... Ah non, non. Non, non. Cette chanson, bravo, Monsieur le Monde, j'en suis particulièrement fier en ce moment. Elle est très jolie. Parce qu'elle a été choisie pour être la chanson officielle de l'exposition universelle de Aichi Nagoya. C'est une belle récompense. Ouais. Stéphane Pokra? Alors moi, que dire de plus que tout ce qui a été dit? Moi, je vous adore. Quand je me suis fait virer du lycée, c'était sur une de vos chansons. J'ai rencontré ma femme, c'est sur une de vos chansons. Elle m'a quitté sur une de vos chansons. Je vous dis pas merci. Jean-Bernard Rébé. Au tout début du Big Bazar, on s'est engueulé un jour. Ça a duré un bon moment parce que j'avais dit un truc à la radio qui lui plaisait pas. Qu'est-ce que vous aviez dit? Il chantait pour la première fois avec le Big Bazar au Midem. Et je vois le spectacle et je dis, ouais, c'est en playback. Ils sont venus, ils m'ont insulté. Tu pouvais pas t'en rendre compte, me disent-ils. Mais j'ai jamais chanté en playback avec le Big, hein. Non, mais il y avait, en tout cas, S'il vous plaît. Il y a une anecdote qui vient des micros HF qu'on avait à ce moment-là, mais c'est les micros HF de la préhistoire. C'est-à-dire que c'était des gros micros et il y avait une antenne qui était assez longue. Et comme ça, et c'était à chaque fois, c'était pareil. Ça peut pas, il est en playback hein, parce que son fil est coupé. Ça, c'était Jean-Bernard. Ah non, je suis con, mais pas à ce point, ça va. Tu l'as vérifié, Jean-Bernard. C'est vrai que c'est quelque chose de formidable, ce besoin constant et qui date de très longtemps de faire des écoles, de donner des cours, de transmettre à des jeunes votre savoir-faire, votre passion, votre enthousiasme. Et c'est rare dans ce métier d'égoïste. J'ai la faiblesse de penser qu'on fait un artisanat et que ça doit se transmettre. On n'apprend pas un artiste à être un artiste, mais on peut l'aider à s'épanouir, on peut... prendre des choses... Vole-moi, quoi. C'est vole-moi. Quoi. C'est tout, c'est simplement... C'est pour ça que vous avez fait la Star Academy? Mais il ne l'a pas fait comme les autres, c'est ça qu'il a expliqué. La Star Academy, la condition que j'ai posée, c'est d'aller au château. Sinon, je pense que je n'aurais pas fait la Star Academy parce que je ne voulais pas être le mec qui vient le vendredi, qui chante ses chansons et qui se casse. Il y a des mômes qui sont enfermés dans un château. Je sais exactement maintenant dans quelles conditions. Je sais comment ils sont dans leur tête. Alors dites-nous. Non, c'est quand on est là-bas. D'abord, un des trucs qu'on remarque très vite, la caméra ne traduit pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est une émission de télévision avec un jeu cruel, ok? Mais c'est la loi du genre dans une société
qui est la nôtre, où l'argent est roi et l'argent passe par l'audimat. Donc il faut intéresser les gens. Ce qui m'a permis de voir dans un des résumés auxquels j'ai participé, un long moment sur une espèce d'algarade entre Sofiane et Lucie, je crois. Et ils ont fait un quart d'heure là-dessus, sous prétexte, je suppose que c'est ça, parce qu'il y a des gens, ça intéresse. Il y a un moment, il faut se poser des questions sur le public. D'accord. Ouais, mais bon, le public aussi, il mange ce qu'on lui sert. Mais vous dites que vous êtes un petit peu dégoûté du métier aujourd'hui. Non. Et pourtant, vous participez à la Star Academy et donc quelque part, vous cautionnez un petit peu tout ça. Donc, j'arrive pas bien à comprendre où vous situez. Pas de caution. C'est pas une caution. Je vais là-bas pour voir sept mômes dont j'ai l'impression au départ qu'on les abuse et qui. Ça sert quand même. Ils ont une envie. Mais j'ai compris maintenant que les mômes, ils ont qu'une peur. C'est pas ni perdre ni gagner. C'est sortir du château. Regardez Chirac, quand on est au château, on ne veut plus en sortir. Exact. Annie, il n'a encore rien dit. Eh bien, moi, je trouve que tous les mots que vous avez employés ne valent pas grand-chose comparé aux siens. Donc, je ne vais pas ajouter les miens. Oh là là. Non, vraiment. OK. Oh, la bêcheuse. Vraiment. Ah, non. Désolée. J'ai décidé de prendre de la distance. C'est pas vous que je vous ai vu chanter pendant des vacances communes. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Parfaitement. Avec une chorégraphie. Avec Perry Cochin. C'est après, quand Jean Benguigui a entamé « Quand je pense à Fernande, je bande », que tout s'est gâché. Vous intéressez à la musique, aux sorties de disques, Michel Fugain. Alors profitons de votre présence pour voir ce qui sort en ce moment. Et Jean-Bernard Hébé, ça y continue, son petit bonhomme de chemin, hein, lui aussi, jour après jour, comme une forteresse. Et... Alors cette semaine, trois superstars du rock incontournables. On commence par quoi? Oh ben, les Rolling Stones. Allez, à tout seigneur, tout honneur. On regarde un clip tout de suite? Absolument. Extrait. Pochette interdite aux États-Unis parce qu'il y a la langue qui est entre les cuisses de la jeune dame. C'est pas vrai. Pochette interdite aux États-Unis. C'est un album live, on l'aura compris. Alors, comme toujours, le miracle s'accomplit avec les Rolling Stones. Le concert est absolument extraordinaire. Et quand on écoute le son, c'est un désastre. D'ailleurs, même Keith Richards l'a reconnu récemment. Dès qu'on enregistre un album live des Stones, ça n'a rien à voir avec le vrai concert. Ce n'est pas bien. Voilà. Vous attendiez à ce que je dise du bien des Stones, c'est bien. Non. Faut acheter les albums studio, puis voilà. Faut acheter les albums studio. Il y en a 40 qui sont bien. Vous aimez ça quand même, vous filmez pas. Ah oui, et puis je les ai vus sur scène. Et j'étais à 2 mètres de Mick Jagger quand il a chanté Angie juste après la sortie de Stick Fingers. Alors moi, je m'en souviens. Lui, je crois qu'il a oublié que j'étais à 2 mètres de lui. Stéphane, vous n'aimez pas? Je n'ai jamais supporté les Rolling Stones, ni en live, ni en studio. C'est vraiment, s'il y a un groupe qui m'énerve dans toute l'histoire de la musique, c'est les Rolling Stones. Pourquoi là? Mais je sais pas, il m'agace avec ses déhanchements, ses lèvres pulpeuses, ses trucs comme ça, des millions de nanas. Sa faute, il a pas mis silicone. Non, vraiment, j'aime pas. C'est un délit facial, mais c'est les papes, c'est les rois du rock, c'est... Vous êtes fous. Alors là, chef d'œuvre absolu. C'est formidable. Ce sont des nouvelles chansons. Hein. Ah, ce ne sont que des nouvelles chansons. Pour une fois, Bono a décidé d'arrêter de sauver la planète et de devenir chanteur de rock. C'est décoiffant, c'est absolument formidable. Quelques images. Non, c'est pas ma tasse de thé. C'est quand même, c'est quand même un artiste fan. Majeur. Hein, majeur. Oui, majeur. Ben, moi, j'ai Mozart, chacun son tour. Non, c'est excellent. Et l'album a l'air d'être excellent aussi. Moi, j'en ai écouté qu'une chanson, With or Without You. Ça, c'était les chansons que je trouve fétiches. Je sais pas, In the Name of Love aussi, c'est canon. Stéphane. Sunday, Bloody Sunday, ouais. Les chansons cultes. Et par contre, je me trompe, Jean-Bernard, je parle sous ton contrôle, ça ressemble pas un peu à In Excess, là? Vous êtes preneur, Michel Fugain? Il n'est même pas question que ce soit autrement. Bon. Alors Zazie, maintenant, nouvel album attendu de Zazie, Rodeo. Écoutez, moi je trouve ça formidable. Mais elle a
beaucoup de choses qui vont lui être des inconvénients pour réussir. C'est-à-dire ? Elle est plutôt intelligente. Non, mais il va falloir durer. 5 albums, c'est pas Michel qui va me dire le contraire. 5 albums, c'est bien, mais il faut faire une carrière. Elle est intelligente, elle a un peu de classe, elle réfléchit, elle se vautre pas dans le truc. Elle va avoir du mal. Vous seriez pas un peu amoureux de Zazie ? Ah oui, c'est bizarre. Je suis pas amoureux de Zazie, mais j'ai un certain respect pour cette femme. Bon, que je ne connais pas, que j'ai jamais vu. C'est un auteur formidable. Extrait de Rodéo avec Zazie. Un superbe album, il faut dire aussi. Bon, vous le voulez aussi, alors, Michel? Oui, Laurent. Parce que c'est vous, hein. Normalement, les invités... Je l'ai mérité. Les invités doivent n'en choisir qu'un des trois. Ben, vous voyez. Oui, mais tout de même, 38 ans de carrière, Laurent. Ça se salue, merde. Pour Evangélie, on les a tous gardés, souvenez-vous. Le qui a déconné, c'est l'homme. Le classement de la semaine. Jean-Pierre Raffarin est passé enfin en tête d'un sondage. C'est la première fois qu'il est numéro 1 avec 700 points devant Charles Pasqua, Douste Blasi. L'entraîneur du PSG est toujours là en 4e position. Nicolas Sarkozy est à la 5e place. Mais attention, Britney Spears, qui est pas mal, hein, elle a quand même 190 points déjà dans le classement. Mais alors là, il y a des photos qui sont sorties dans Voici. Non, là, il faut faire attention. Quand on est un personnage public, on prend un Kleenex quand on va voir son fiancé juste avant. Hein. On fait un... Non. Mais non, c'est des boutons. Ah, c'est des boutons? Oui, c'est des boutons. Est-ce que c'est une connerie à 0, 10, 20 ou 30 points, Elsa Fayer? Alors moi, je lui mets 0 parce que je suis hyper contente. Pourquoi? Parce que mon mari dit toujours, ah là, elle est sublime, il adore, il se régale, il a la langue jusque-là quand elle passe. Regarde ta beauté, hein. C'est naturel. Stéphane Potrin. Non, mais... Après tout, on n'est pas responsable de la tête qu'on a à regarder dans cette émission. Bah moi, je lui mets 0 aussi parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir la maquilleuse que j'ai. Jean-Bernard. Moi, je lui mets 0 parce qu'elle a enfin osé avouer qu'elle était la sœur jumelle de Laurence Boccolini. Annie Lemoine. Alors 0 parce qu'elle est déjà punie d'être dans Voici quand même. Philippe Gueluc. 0 point, je ne vais pas lui mettre des points alors qu'elle en a déjà tellement sur la figure. Michel. Moi, je mets 0 point parce qu'on tire pas sur une ambulance, c'est tout. Voilà, alors ça fait un total pour Britney Spears de 0 point. Voilà. Quelqu'un qui n'était pas encore dans notre qui a déconné, c'était monsieur François Hollande. Je l'appelle comme ça maintenant parce qu'il y a plusieurs races, hein, au sein du Parti Socialiste. Et François Hollande a déclaré cette semaine, si on aime le premier secrétaire, mieux vaut voter comme lui. Est-ce que c'est une phrase à 0, 10, 20 ou 30 points? C'est n'importe quoi. Il se prend pour une rockstar qui même me suive. Où est la réflexion politique dans tout ça? C'est nul. Bon, 30 points. François Hollande, désolé, mais je crois que je suis d'accord avec l'analyse politique d'Elsa Fayer. Sophie Garrel. Dès qu'il y a le mot amour dans une phrase, je fragilise. Alors, je lui mets que 10 points. Jean-Bernard. Moi, je me méfie parce que quand les partis de gauche commencent à penser comme ça, ça finit avec Kim Jong-un et Mao Tse-tung. Annie Lemoine. Oh, oui, c'est une petite connerie quand même, 10 points. Moi, je lui mets 0 point. Au bénéfice du doute, je pense qu'il s'agit d'un trait d'esprit. Parce que rappelez-vous, quand le général de Gaulle a dit « Mon seul rival international, c'est Tintin », on aurait pu lui répondre aussi, vous feriez mieux de diriger la France au lieu de dire des bandes dessinées. Hein. C'est vrai qu'il a beaucoup d'humour, François Hollande, vous avez peut-être raison, c'est peut-être une sorte d'autodérision. Oui, mais bon, on ne prononce pas des phrases comme ça, parce que dedans, il y a de la menace. C'est pas faux, mais il n'était pas dans notre... Il n'y était pas. Eh bien, qu'il y soit, avec un total de 140 points. On s'arrête là pour ce soir, Michel Fugain. C'est pas de l'amour, mais c'est... Merci. C'est un peu le bordel, parfois, cette émission. Ça ressemble, mais bon... C'est un big bazar. C'est aussi un bain de jouvence. Moi, j'aimerais bien voir Viva la Vida. Vous pouvez me la chanter, s'il vous plaît. La rue, c'est la vie qui va. Viva la Viva la Vida. C'est la qu'on vit, la qu'on va. Viva la Viva la Vida. Bon week-end sur France 2 à lundi.